Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je pense que les plus assidus de la chaîne ont tout de suite compris où je vais monter ça. Alors je vous avais dit que le contenu qui avait été sponsorisé par Autodoc me permettrait deux choses. D'acheter un joli kit de frein racing pour la Porsche 911 et de payer une partie de la sellerie de la R5 Alpine Turbo. Aujourd'hui on s'attaque au magnifique frein. Je prône pour la transparence de la dépense des revenus qui sont sponsorisés. Donc je vous le dis en live. Et là, vous le voyez en réel. Donc, voilà ce qu'on va monter aujourd'hui sur la Porsche 911. Alors là, j'ai un kit uniquement qui concerne le freinage avant. Il se peut qu'un jour, si un contenu sponsorisé arrive sur la chaîne, un kit de frein arrière voit le jour. Mais pour le moment, c'est pas prévu. On est sur la marque D2. Et je souhaitais d'ailleurs remercier le site Drift Shop qui m'a permis d'avoir une petite réduction sur son site grâce à cette petite vidéo. Donc merci et je vais être encore une fois très transparent avec vous. J'ai eu 10% de remise sur ce kit. C'est un kit qui coûte 1 700 €. Donc c'est un kit qui est imposant en termes de prix, mais qui est imposant en termes de look et de qualité. On est sur du matos de compétition. Alors pour les puristes 911 et pour la vidéo que j'avais faite sur la décote du véhicule, effectivement certains puristes diront bah, du coup ta voiture n'a plus les freins d'origine donc tu fais de la décote. Oui et non parce que là on est loin d'être sur un kit premier prix made in China. Là on est vraiment sur quelque chose de très 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 haut de gamme comme on aurait du AP Racing. Mais bien évidemment pour ceux qui vont jouer la pure cote du véhicule 100% d'origine, il est obligatoire sur ce type de véhicule-là de conserver au chaud les pièces d'origine si un jour on vend et qu'on vend à quelqu'un qui veut de l'origine. Bien évidemment, c'est des kits qui sont adaptables. Donc là, en l'occurrence, les étriers, les disques, ça peut être monté sur d'autres véhicules et racheter uniquement les platines d'adaptation du véhicule. Donc, dans le pire des cas, ce n'est pas un investissement perdu parce que je pourrais récupérer ces freins-là si le futur propriétaire, si je décide de la vendre, souhaite des freinages d'origine et racheter uniquement les cales pour monter sur des véhicules compatibles. On est sur la marque D2 avec le modèle D2 Forge. On va passer sur un étrier 6 pistons. Alors, j'avais hésité à passer sur du 8 pistons. Le problème du 8 pistons, c'est que ça ne rentrait pas dans les roues en 18 pouces d'origine. Donc, il fallait passer sur des roues en 19 pouces. Bah, vous rajoutez 1 500 € pour changer les 4 jantes, plus les pneumatiques. Bref, c'était totalement hors budget. Donc, je me limite aujourd'hui à du 6 pistons, mais qui est déjà magnifique. On a les petites ressorts de maintien de plaquettes ici en titane. Ça, c'est un bloc d'aluminium complètement fraisé, donc monobloc. C'est vraiment quelque chose de magnifique. On est sur de la pièce, pareil, qui est hyper léger. Certains pourraient dire « Attention, tu vas rajouter du poids sur des éléments mobiles. » Alors oui, c'est vrai que ça pourrait paraître lourd, la taille du frein avec la taille des disques. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, on est sur des systèmes beaucoup plus légers que d'origine parce qu'on est sur du monobloc taillé dans la masse. Donc déjà, l'étrier à poids égal est beaucoup plus gros, beaucoup plus performant. Et les disques de frein qui sont certes plus gros sont montés sur des bols en aluminium, contrairement aux disques de frein d'origine qui sont entièrement en acier. Donc en fait, pour la même taille, vous êtes sur le système plus léger. Donc là, on a une taille qui est en 356 mm, donc 36 cm de diamètre. Donc on est sur un système beaucoup plus gros que d'origine. Et donc on est à poids égal, mais on peut être toujours gagnant. Ça vaudrait le coup quand même de peser, j'ai pas de balance ici. Mais je vous invite à regarder sur YouTube, il y a déjà des gens qui ont pesé l'ancien système et le nouveau système et ils s'aperçoivent finalement que c'est même plus léger. Donc il n'y a pas de prise de poids, donc il n'y a pas de baisse de performance sur les éléments mobiles. Au niveau des plaquettes, sur ce type de freinage-là, on peut choisir des plaquettes orientées circuit ou orientées route conduite sportive. J'ai pris des plaquettes route orientées conduite sportive. C'est vraiment un montage à la carte. Donc on peut choisir aussi du rainuré plutôt que du percé. J'ai pris du percé clairement pour le look. Si on souhaite de l'efficacité, le rainuré est plus performant. Le percé, c'est plus une question de ventilation et de gaz qui se produit entre la plaquette et le disque lors de l'échauffement. Mais soyons d'accord, c'est uniquement pour le look que j'ai pris du percé parce qu'à l'arrière, pour l'instant, je conserve les disques d'origine et les disques d'origine sont du percé. Donc, je voulais un équilibre. Pourquoi j'ai pris jaune? Certains vont me dire, mais non, mais pourquoi tu mets du jaune? Eh bien, parce que c'est pas anodin. Chez Porsche, il faut savoir qu'il y a un code couleur sur les étriers. Et le jaune, c'est les freins les plus haut de gamme chez Porsche. C'est pour ça qu'en mettant des freins haut de gamme, j'ai souhaité mettre du jaune. Alors oui, c'est pas du carbone céramique comme le préconise Porsche sur du frein jaune,
Mais voilà, ça reste mon choix personnel. Je trouve que ça va très bien sur une 911 et qu'il y a une certaine corrélation avec le code couleur de Porsche. Noir, c'est sur le modèle standard. Rouge, c'est sur le modèle S. Et jaune, c'est sur l'option carbone céramique. Voilà le code couleur des freins Porsche. Alors, deux choix du pourquoi je mets ça. Premièrement, Porsche a une réputation d'avoir des freins magnifiques. Ben moi, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que ça freine très bien, c'est endurant, sauf que le feeling à la pédale est vraiment à chier. Et on pourra dire ce qu'on veut, mais si tu appuies pas comme un goré, ben ça freine pas. Et en fait, ça fait un petit peu comme les Lotus Elise, où tu n'as pas d'aide au freinage, donc de master vac. Or, sur des Porsche, t'en as. Et en fait, je trouve vraiment le freinage, moi, décevant. Tu prends par exemple l'Audi R8, alors certes, qui a un montage comme ça d'origine, mais le feeling à la pédale est beaucoup plus mordant. Tu prends des véhicules avec des freins basiques, style ma BMW, a beaucoup plus de mordant à la prise de la pédale. Sur la Porsche, je trouve personnellement le feeling naze. Les amis, je vous laisse un petit peu observer ces magnifiques pièces. Alors, ça fait mal au cœur de les monter parce qu'on va les salir, mais c'est de l'orfèvrerie. Et je souhaitais également remercier le site mesplaques.fr qui m'a envoyé deux plaques personnalisées pour la 911, donc on va poser également dans cette petite vidéo. Donc voilà, les nouvelles petites plaques avec le petit logo GLB 911 et les deux petits logos Porsche. Bon, je vous avoue que quand j'ai reçu le kit et que je l'ai déballé, je me suis dit « Putain, mais ça va jamais rentrer dans la roue, quoi !» Parce que je vous ai dit, j'ai vraiment hésité avec le 8 pistons qui était magnifique. Et donc, du coup, je l'ai placé comme ça. Et je me suis dit « Ça doit rentrer. Et quand ça va rentrer, ça va avoir de la gueule. » Allez, c'est parti. Là, on dépose les deux roues. On s'attaque à la dépose des étriers et des freins. Et de toute façon, cette vidéo, elle tombe à pic. C'est aussi pour ça que je voulais remplacer. C'est que les disques sont complètement morts. Les plaquettes étaient pas mal usées. Les freins étaient à repeindre, donc c'était l'occasion de faire une folie. Allez, on attaque. Bon, pour vous montrer un petit peu un ordre d'idée de l'état du disque, clairement, là, ils étaient à changer. On voit bien, il y a une grosse collerette côté intérieur. Il y en a une un peu moins grosse côté extérieur, mais qui est quand même largement marquée. Le disque s'est mal usé, il s'est usé en vagues. Hein. Donc vraiment, ça fait des vagues tout le long. Donc là, franchement, ils étaient à changer. Ce que je vous montre un petit peu au niveau de la couleur des étriers, quand je vous ai dit qu'ils étaient à repeindre, vous voyez, en fait, ils sont tout mat, tout ternes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus du tout de vernis dessus. La couche de vernis a totalement sauté, on le voit bien ici. Et elle est en train de continuer à s'écailler. Donc l'arrière est exactement dans le même état. C'est pour ça qu'il était, à mon sens, nécessaire de devoir repeindre les étriers. Et donc, du coup, bah, les étriers arrière, on va les repeindre. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus d'ailleurs avec des produits bien pratiques. Aujourd'hui, on s'occupe uniquement du montage du gros kit performance à l'avant. Donc, c'est parti, dépose de l'étrier du disque. Et ensuite, bah, il va falloir tout repurger, tout repréparer. Là, on va directement changer également les canalisations. Donc, voilà, il y a un petit peu de boulot et je vais tout vous détailler sur un frein. Et ensuite, on fera l'autre en mode accéléré. C'est parti. Bon, première chose, je vais déconnecter le capteur ABS pour pouvoir sortir l'étrier dans son ensemble. Donc là, je débranche la petite prise. Voilà. Et là, il y a un petit collier ici. Alors, c'est à peu près similaire hein, sur tous les véhicules. Hein. Le process, c'est juste que là, moi, je vais avoir des disques adaptés à la Porsche. Je vais avoir des durites adaptées à la Porsche, etc. Mais voilà, ces kits de montage-là, c'est du similaire. Donc, le montage en lui-même reste la même procédure, même si la voiture peut varier. Donc ici, je vais désolidariser mon tuyau, mais avant ça, je vais commencer à désolidariser l'étrier. Parce que généralement, ça tient assez fermement. Une fois qu'il sera désolidarisé, du moins dévissé sans être déposé, on dépose la durite, on met un bac pour réceptionner le liquide qui va continuer de couler le temps de l'intervention. Alors, c'est parti. Voilà, ça généralement, c'est bien serré. On va essayer d'y aller avec la clé à choc. Voilà.
Donc là, étant donné qu'on va remettre une durite neuve de liquide de foin qui va passer de la durite rigide jusqu'à l'étrier, on n'a plus besoin de la petite patte de fixation ici. Donc on va pouvoir, dans un premier temps, la désolidariser. Voilà. On laisse rien qui ne sert à rien pour le nouveau kit, pour la simple et bonne raison que ça peut être un élément qui va rentrer en friction et qui pourrait, avec les vibrations ou autres, venir couper la nouvelle durite. Donc tout ce qui sert plus à rien, on le dépose. Alors là, il faudra apporter un soin particulier au nettoyage après, hein, parce qu'on est sur du liquid de frein DOT 4. Et donc c'est extrêmement corrosif. Partout où ça coule, ça va bouffer la peinture, bouffer la protection du métal. Donc vraiment, c'est pas une légende, c'est extrêmement corrosif. Voilà, donc là, on le laisse tranquillement s'égoutter. La durite là, elle est défaite. Et donc maintenant, on peut terminer de démonter l'étrier. Voilà, on ne fait pas de modification majeure sur le véhicule, il n'y a pas de retour impossible en arrière. Vous pouvez, quand vous souhaitez, démonter le kit, remettre le frein d'origine et garder votre kit pour un futur achat ou voilà, après, libre à vous. C'est pas quelque chose de perdu et soit vous vendez le véhicule avec, soit vous le conservez pour un prochain. Et vous avez juste les pattes de fixation à racheter. Donc là, hop, alors là, voilà, on a une belle collerette, ce qui fait que c'est un peu raide de sortir les plaquettes. On pousse les pistons et ça sort. Voilà, tac. Voilà, donc vous voyez, les plaquettes sont à mesure, les étriers étaient bons à peindre et les lisses sont totalement cuits. Hop, on pose ça là. Et maintenant, on va s'attaquer à la dépose du disque. Pour déposer le disque, rien de bien compliqué. Hein. Deux vis de maintien, j'insiste, hein, c'est des vis de maintien, c'est pas elles qui vont serrer le disque. Ce qui fait le serrage du disque, c'est les vis de la roue. Donc là, on désolidarise les deux petites vis là et hop, ça sort tout seul. La clé à choc, parce que des fois, les vis sont un petit peu grippées. Sinon, mettez un bon coup de frappe dessus. Voilà. Mais généralement, avec la clé à choc, ça sort tout seul. Sans clé à choc, vous risquez de foirer la vis. Si vous n'avez pas de clé à choc, vous mettez votre tournevis ici, vous frappez un grand coup avec un marteau, ça permet de décoller les filets parce que c'est soumis à la rouille avec les projections de l'eau, etc. Et ensuite, en maintenant vraiment une bonne pression, vous dévissez. Alors maintenant, pour déposer le disque, les trois quarts du temps, voilà, ils sont grippés sur le moyeu. On aurait tendance à taper comme un sagouin derrière. Des fois, ça peut sortir. Mais la meilleure technique, généralement, elle est de taper devant et ça va le faire vibrer. Et voilà. Donc c'est un paradoxe parce que généralement on se dit si on tape devant, on va le faire rentrer. Mais en fait, la vibration décolle le disque. Et là, vous pouvez bien constater qu'il était bien pourri ce disque. Donc là, au préalable, avant d'attaquer le remontage, on va contrôler déjà les roulements de roues s'ils sont bien. Là, en l'occurrence, c'est impeccable. On va nettoyer toute la petite platine ici pour avoir une surface d'appui la plus propre possible pour pouvoir vraiment faire un montage propre et soigné parce que vous allez voir, il va falloir ensuite qu'on règle l'alignement de l'étrier. Alors là, on vient bien nettoyer les surfaces d'appui. Bon, alors pour vous rendre compte un petit peu de la différence de taille de l'étrier, voilà, donc là on est sur un 4 pistons, là on est sur un 6 pistons. Et en termes de poids, je vous assure que c'est à minima la même chose, voire celui-ci est plus léger. Donc là, on voit bien la différence de taille de l'étrier, hein, c'est assez imposant. Alors hop, je fais attention à ce qu'il y a du liquide dedans et j'ai pas envie d'en mettre partout. Et pareil au niveau du disque de frein, on voit clairement, hein, si je les superpose, voilà, on est sur une monte de disque beaucoup plus grande. Plus le disque est grand, plus la puissance de freinage est décuplée. Attention, il faudra faire attention lors de la pose des nouveaux disques. On est sur des disques haute performance. Vous avez un sens de rotation du disque parce que vous allez voir dedans, les ailettes ici, elles ont un sens. Et ces ailettes-là permettent la ventilation du disque. Si vous inversez le gauche et le droit, attention, vous risquez d'avoir un freinage qui ne va pas tenir à température. Donc bien faire attention, tout est indiqué sur le bol. Donc là maintenant, on va passer au remontage. Première chose à faire, installer cette platine-là. Donc là, on va avoir une platine qui va venir se poser comme ça. Voilà. Et en fait, on va avoir de l'ajustement possible. C'est pas obligatoire, mais vous avez des cales d'ajustement qui sont fournies avec pour pouvoir bien aligner le disque avec l'étrier pour que le disque puisse passer en plein cœur de l'étrier. Donc là, c'est pareil. On nettoie bien les plans de surface où on va venir monter les adaptateurs.
Donc là, ce que je fais, c'est que je monte sans frein filet. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, je vais déjà vérifier que tout se monte parfaitement. Une fois que tout est monté parfaitement, que tout est réglé, je redémonte ces vis-là et les deux vis des étriers pour pouvoir y mettre un petit coup de frein filet pour tout simplement la sécurité parce qu'on est sur les éléments de freinage. Maintenant, on vient placer le bol. Alors, pour faire mes réglages, je vais tout simplement faire un montage à blanc avec des vis. Voilà, donc là, mon disque, il est plaqué. Maintenant, je vais pouvoir poser mon étrier pour vérifier qu'il passe bien au centre. L'étrier, et là, tout de suite, ça commence à avoir un sacré look. En plus, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est assorti au pont et au garage. C'est pas beau, ça, sans faire exprès. Voilà, hop. Donc, la même topo, hein, je les visse complètement pour venir les approcher et avoir mon réglage définitif ou pas, s'il y a besoin. Bon là, le seul truc qui serait moche, c'est qu'une fois monté, on se rend compte que la roue rentre plus dedans. Et là, ce serait vraiment très moche. Mais bon, normalement, ça passe. Avec des roues en 18, ça devrait passer. Voilà, donc là, j'ai tout monté à blanc. Maintenant, on va contrôler. Déjà, premièrement, que le disque tourne librement sans toucher la partie haute de l'étrier. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Sinon, on aurait besoin, avec les rondelles là-bas, de pouvoir décaler l'étrier comme ça. Maintenant, autre réglage à prendre en considération, c'est le centrage du disque sur l'étrier. Donc là, bah, tout bêtement, hein, hop, je peux même déplacer ça. Voilà, on l'aligne comme ça et on contrôle. En l'occurrence, on n'est pas mal du tout. Pour vérifier une dernière chose, il va falloir vérifier la surface d'appui complète des plaquettes. Donc on monte les plaquettes sur l'étrier en lieu et place pour vérifier que la plaquette ne vient pas appuyer. Vous voyez le disque, on est sur des disques compétition. Donc il y a une surface d'appui qui est ici. Si votre plaquette descend ici, c'est pas bon du tout. Donc il va falloir également qu'on vérifie que la plaquette arrive bien comme ceci, donc pile sur la surface d'appui et surtout pas plus bas potentiellement comme ceci. Sinon ce serait pas bon du tout. Donc là, on pose les plaquettes et on vérifie ça avant le montage définitif. Ah là, les vis en titane et tout, c'est joli. Hein. C'est vraiment de la belle pièce. Ouais, jusqu'à la petite vis. Alors, pourquoi les vis en titane et pourquoi des accroches en titane? C'est une question de poids. Le titane, c'est ultra léger. C'est-à-dire que là, la vis, vous l'avez dans la main. En fait, vous avez l'impression que vous avez rien. Je sais pas, ça doit faire 3-4 grammes. Quoi. T'as l'impression que t'as absolument rien dans la main. Donc, accessoirement, c'est joli. C'est hyper léger. Donc là, hop, on vient glisser nos plaquettes. Et là, on voit, hein, c'est, l'ajustement est vraiment parfait. C'est là où on reconnaît vraiment la qualité d'un bon freinage. Voilà, ça rentre. On met ça ici. Donc ça, c'est ce qui va permettre simplement de venir plaquer nos plaquettes dessus. Donc là, on recontrôle une dernière fois l'appui de nos plaquettes et ici, on voit bien que l'appui des plaquettes est impeccable. Là, on voit bien que la surface d'appui de la plaquette reste bien dans la zone de contact du disque. Donc là, notre montage est parfait. On n'a plus qu'à démonter, coller les vis et remonter. Voilà. Hop. Donc là, bien évidemment, on prend du frein filet fort. On est sur du frein. Donc vraiment, là, le but de mettre le frein filet, c'est d'éviter tout desserrage. On est sur des freins, entre guillemets, de course. Alors, on le fait déjà sur des freins d'origine, mais sur des freins de course, techniquement, c'est pour aller sur circuit. Donc, les contraintes sont encore plus importantes. Donc, sur un frein d'origine, on le fait. Sur un frein de course, on le fait encore plus. Voilà. Donc là, on va sortir la clé dynamométrique. Voilà. Et maintenant, on replace l'étrier. On prépare nos vis. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de la partie tuyau. Donc là, même topo, serrage au couple. Voilà. Alors, pour la pose
du flexible, on retire les petites protections. Bien faire attention aux joints cuivre. Il y en a un devant, un derrière. Bon, au niveau de la durite, vous avez vu, je l'ai inversée. Au plutôt de la passer devant comme c'était monté d'origine, je l'ai passée derrière. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus longue. Et le fait qu'elle soit derrière, elle est mieux positionnée. Là, on a des tiges vendues comme ça avec pour pouvoir tout simplement guider la durite. Donc là, il va falloir que je fasse un montage à peu près comme ceci et que je braque à gauche et à droite pour vérifier que ça touche nulle part quand on braque, du coup, à fond à gauche et à fond à droite. Donc là, hop, je viens monter la petite patte de fixation fournie avec le kit. Petit montage sans trop serrer. Donc là, je braque un côté à fond. Là, on voit que ça touche et là, ça touche pas. Donc, il faut ajuster. Voilà, là, on est bien. Comme ça, on est bien pour ce côté-là. Et de l'autre côté, si je braque à fond de l'autre côté, je touche pas. J'ai un petit jour également. Donc là, ma patte, elle est correctement réglée. Donc là, je vais pouvoir la serrer définitivement. Quand tous nos points sont OK, eh ben on n'a plus que la purge à faire. Donc les amis, maintenant, j'ai quand même une petite question qui me taquine. C'est le fait que, est-ce que la roue va dedans? Donc là, on va faire un petit essai, on va essayer de replacer la roue et on va voir si ça rentre ou si on a une petite surprise. Eh ben écoutez, c'est impeccable, ça passe. Et ça a vraiment de la gueule. Là, c'est chouette. Eh bien écoutez les amis, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je ne vais pas vous le détailler. Je vais le faire en rapide et on se retrouve du coup pour la purge. Donc là, tout est fonctionnel, tout est opérationnel, mais si vous avez suivi un petit peu le début de la vidéo, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a retiré le capteur d'usure de plaquettes de frein. Et là, on ne peut pas remettre ces mêmes capteurs, puisque en fait, les plaquettes ne sont pas compatibles. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, on va chanter le capteur de plaquettes. Donc, on n'aura plus le voyant de frein quand les plaquettes sont usées. Je rappelle que ce capteur-là permet juste de mettre à la masse la plaquette pour tout simplement déclencher un voyant. Donc si on le chante, il n'y a absolument aucun problème pour la sécurité ou pour le freinage, à l'exception qu'il faudra juste contrôler les plaquettes visuellement et qu'on n'aura plus le voyant. Donc, mais bon, je pense sincèrement que la personne qui monte ça sur son véhicule prend soin de son véhicule et contrôle les plaquettes avant d'avoir le voyant. Bon, le témoin d'usure des plaquettes de frein, c'est celui-ci. Il vient de simplement rejoindre les deux plaquettes. Mais au moment où il va commencer à toucher, en fait, il est prévu pour s'user. Il va s'user, il va s'user, il va s'user jusqu'à ce qu'on arrive au fil. Et dès que le fil va toucher le disque de frein lors du freinage, et bah, tout simplement, ça déclenche ce fameux voyant de plaquettes de frein. Pour le chanter, et bah, on va tout simplement couper le capteur ici. Tac. Et on va relier les deux fils. Couper là pour pas avoir trop long. Voilà.
à pendouiller, ça me sert strictement à rien d'avoir trop de longueur. Alors à tous ceux qui disent « Ouais, tu dis que tu peux revenir en arrière, mais goût, t'es en train de couper les capteurs. » Ça, c'est de la pièce d'usure, ça se remplace en même temps que les plaquettes. Donc là, on dénude. Bon, ne faites pas ce que je fais avec le pouce, ok. On est sur YouTube, faut prévenir les gens. On les enroule. Alors tout ça, c'est indiqué hein, dans la notice d'installation du frein. Et on met un petit bout de gaine thermique au bout pour fermer le tout. Et comme ça, c'est propre. Et voilà, comme ça c'est propre, c'est étanche. Et on a leurré le capteur. Allez, on remonte tout ça. On refixe le petit capteur. Voilà. Et là, on va lui mettre un petit colson propre, comme ça. Bon, avant de démarrer cette petite purge, je vais vous présenter un petit peu l'outil qu'on a rentré sur la boutique www.mytelgarage.fr. C'est un outil à pression. Donc cette fois-ci, on va mettre sous pression le liquide de frein pour tout simplement le pousser vers l'étrier. Le kit, ça comprend tout ça. Vous avez le bouchon qui va venir se visser en lieu et place sur le bouchon du bocal de liquide de frein. Vous avez une petite clé, si vous n'avez pas grand-chose dans les biceps, pour venir serrer le bouchon. Et là, vous avez le petit récipient qu'on va venir poser sur la vis de purge pour récupérer le liquide. Et vous avez une petite chaînette avec une petite fixation ici qui permet d'accrocher pour pas que ça pende et au risque que ça tombe et que ça foute du liquide partout. C'est un kit qui comprend tout ça. Et là, vous avez la machine où on va venir pomper pour créer une pression et donc pousser le liquide. Donc les amis, c'est parti. On remplit la machine de produits. Et maintenant, direction la voiture pour brancher tout ça. Donc là maintenant, hop, bocal de liquide de frein. On vient tout simplement visser en lieu et place du bouchon notre adaptateur. Voilà. Alors on prend bien soin de le visser fermement pour pas qu'on ait de fuite. Ensuite on prend la machine qu'on vient clipser dessus. Voilà. Et là on va monter en pression ici. Alors généralement une barre 5 ça suffit largement. C'est pas bon de monter trop en pression non plus parce qu'on peut abîmer les blocs ABS. Voilà, donc là j'ai mis une barre, j'ai pas de fuite autour, donc maintenant je vais passer sur les étriers. Donc là je vais retirer les caches. Alors sur les étriers sport comme ça, on a deux vis de purge. Donc en fait on va le faire en deux fois, on commence par celle-ci, ensuite on fait celle-ci, et pour être sûr qu'il n'y ait plus d'air, on refait un tour ici et ici. Donc ça c'est étanche, hein, ça vient directement s'emboîter sur notre vis de purge. Voilà. Et donc là j'ai plus qu'à ouvrir ma vis de purge. Et vous allez voir, voilà, vous voyez le liquide, hop, il arrive. Donc là, c'est normal, on va avoir énormément d'air, ce qu'il faut remplir. Donc dès qu'on a un flux constant qui coule, on passe à l'autre vis et ensuite on le fait deux fois. Ah, donc ça, cette machine-là est hyper pratique parce que du coup, vous n'avez rien à faire. Vous vous mettez en pression, puis après vous attendez. Les seules choses à vérifier, c'est qu'on ait toujours de la pression sur la machine pour pouvoir pousser le circuit et qu'on ait toujours du produit dans la machine pour ne pas avoir de risque d'envoyer de l'air. Parce que si on n'a plus de produit dans la machine et qu'on vide le bocal de liquide de frein, on envoie de l'air et là c'est pas cool parce que du coup après il faut tout repurger. Donc là on va refermer celle-ci, on va faire la deuxième et ensuite on fait une deuxième purge en étant sûr et certain qu'on n'ait plus du tout de bulle d'air qui sort. Donc là exactement la même chose. Voilà, donc là la purge se termine, on va pouvoir contrôler la sensation à la pédale et si la sensation est un peu spongieuse, on amorce plusieurs fois la pédale et on refait exactement la même chose une deuxième fois sur les deux étriers et ensuite on sera fixé. Donc là je contrôle ma pédale de frein, voilà, et là immédiatement j'ai du frein. Donc là du premier coup c'est ok, c'est terminé. Maintenant on dégraisse, on remonte les roues et on va faire un petit essai routier. Et pour la partie freinage, c'est terminé. Maintenant, on dégraisse l'intégralité des étriers et des disques de frein. On remonte les roues. Et les amis, j'ai hâte de tester. Et là, maintenant, on dégraisse abondamment toutes les surfaces. Les disques de frein sont toujours graissés pour le stockage, pour éviter de simplement qu'ils rouillent. Parce que si on vous les envoie plein de rouille, je suis pas sûr que vous allez kiffer la blague. Tadam! Voilà, on a le résultat final. Déjà en termes de look, waouh, c'est violent. En termes de sensation à la pédale, j'ai aucun doute.
Déjà par la qualité du matos, et juste là à l'arrêt, là quand on a testé la purge, ça n'avait absolument rien à voir. En tout cas, là, le frein, il est juste énorme par rapport à celui d'origine. Là, c'est impressionnant. Bon, avant de faire le petit essai, on pose les nouvelles plaques. Bon les amis, ça y est, on part pour faire un petit essai routier. Alors déjà, vous pouvez constater au tableau de bord qu'on n'a pas de voyant plaquette de frein. Je vous laisse regarder par vous-même. Maintenant, la sensation à la pédale, elle est bonne. J'avais un petit peu peur au niveau du flexible quand on tournait les roues. J'avais peur que ça tire un peu sur le flexible, etc. Donc on a contrôlé. Ça semble ok. Eh bien écoutez les amis, on va aller tranquillement rouler. Alors là, je ne vais pas pouvoir dans cette vidéo-là vous faire des tests vraiment de freinage poussé parce que les freins, ça a besoin de se roder. Et là, les freins sont tout neufs, donc je vais clairement pas m'amuser à aller faire du gros freinage et flinguer les freins. Alors, même sans les flinguer, parce que ça reste des freins haute performance, mais on va tout simplement créer une certaine usure sur les palettes pour retirer un petit peu la surface d'accroche du début pour permettre un bon freinage. Donc, c'est parti, on va rouler et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, un petit freinage ici. Bon, alors, déjà, ça n'a plus rien à voir. Il faut appuyer deux fois moins fort sur le frein pour avoir la même puissance de freinage. Alors, on va faire quelques petits ronds-points et des freinages doux. En tout cas, clairement, sensation à la pédale, l'accroche du freinage n'est pas du tout le même. Là, à peine on effleure la pédale de frein. Voilà, on a direct du mordant et le mordant est vachement progressif. Le problème des freins Porsche, c'est des freins qui fonctionnent très bien. Hein, parce que je vois déjà les Porschistes arriver. Ah non, tu critiques les freins Porsche. C'est monté en Brembo, c'est pas des freins qui sont ridicules, mais c'est des freins qui ont zéro feeling. C'est-à-dire que tu veux freiner fort, faut limite te mettre debout sur les freins. Alors ça freine fort, mais le feeling est à chier. Et si un Porschiste me dit que c'est pas vrai, c'est qu'il est malhonnête. Alors je parle pas des GT2, GT3 RS de nos jours avec des freins carbone céramique. Hein. Je parle des années 2000-2005. Avec des freins basiques en acier. Bon, là, on vient de faire à peu près 5-6 km avec des freinages un petit peu progressifs pour commencer à avoir un petit peu de feeling pour retirer un petit peu la couche de protection des plaquettes. Bon, ça a vraiment absolument rien à voir. Hein. C'est pas du tout comparable. Alors, je me suis permis aussi d'écouter un petit peu les différents bruits, voir si j'avais pas un problème de serrage, un problème de frottement, une durite qui pourrait frotter contre le pneu ou autre. J'avais contrôlé à l'arrêt, mais on n'est jamais à l'abri. C'est le genre de choses qu'il faut vraiment contrôler avant de pouvoir effectuer pas mal de kilomètres. Donc, par acquis de conscience, demain, là aujourd'hui, on va faire une petite vingtaine de kilomètres. Demain, je vais remettre la voiture sur le pont. Je vais contrôler s'il y a zéro frottement de durite contre l'amortisseur, contre la jante, etc. pour ensuite avoir l'esprit tranquille et pouvoir avaler du kilomètre. Mais bon, faut vraiment faire attention là-dessus. On n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose qui a bougé ou tout simplement quelque chose qu'on n'aurait pas vu et qu'on aurait mal monté. On est sur un organe de sécurité, donc bien vérifier et revérifier. Alors là, en termes de freinage, je vais pas vous plaquer la caméra contre le tableau de bord. Ce serait dommage d'abîmer le cuir, mais ouais, ça a absolument rien à voir. Dès qu'on caresse la pédale, on a vraiment quelque chose qui ralentit, mais avec un bon feeling. Par contre, dès qu'on l'écrase, voilà, là, ça freine vraiment bien. Là, on a vraiment la sensation que voilà, quand tu piles, ça pile. Ça écrase vraiment le nez de la voiture de façon plus directe. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur l'installation d'un kit de freinage racing comme ça sur une voiture, parce que là, je l'ai fait sur ma 911, mais c'est compatible avec plein de voitures. Hein. Le kit, je vous mettrai le lien en description de la vidéo de Drift Shop où je me suis procuré le kit.
Et comme je vous l'ai dit, c'est des kits entre guillemets universels avec des platines d'adaptation pour les véhicules. Donc vous pouvez demain vendre votre véhicule et le garder pour le mettre sur votre futur véhicule, etc. Vous avez que les platines à acheter et peut-être platines et disques selon le modèle que vous avez en termes de compatibilité. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai été le plus précis dans la description de l'installation. En termes de sensations, je vous referai un petit vlog une fois que cette 911 sera totalement terminée sur un petit peu le rendu en termes de sensations, pilotage, frein, sonorité, puissance, etc. On essaiera même de la passer au banc chez un ami qui est pas très loin de chez moi avec qui on avait pu faire les tests, notamment du Mécaron si vous vous souvenez. Et les amis, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé autant que moi parce que au-delà de la performance des freins, ça a vraiment de la gueule, ça a un look d'enfer. Je trouve que ça donne vraiment un look beaucoup plus sportif à la voiture, en plus d'être plus sécuritaire. Et si on veut aller sur piste demain, je pense que ça va être un net avantage. Bien évidemment, dans les prochaines vidéos qui vont arriver, la réfection intégrale des freins arrière, dont disque, plaquettes, peinture des étriers, parce que là, pour le coup, ça fait un petit peu con d'avoir les freins avant jaunes et les freins arrière noirs. Donc bien évidemment, on va refaire tout ça. Et puis, qui sait, peut-être un jour, un kit de gros freins racing à l'arrière. On verra, jamais dire jamais. Allez les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Ça vous permet de voir un petit peu en avance sur les réseaux ce que je vais bientôt sortir en vidéo. Voilà, c'est un petit peu du spoil en avant-première. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis les amis, à très bientôt. Ciao.